Clément. Bonjour Gilles. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Clément Couturier respire la forme. Avec 3 buts en 2 matchs, le Français ne pouvait rêver mieux dans son nouveau club. Doté d'une grande expérience en national chez nos voisins français, Clément Couturier a goûté à l'Europa League la saison dernière sous le maillot de Dudelange. Rencontre à l'abbaye d'Orval, un lieu emblématique de la région. Premier sentiment, c'est de la fierté parce qu'on a eu des débuts un petit peu compliqués et on a su rectifier le tir directement avec trois victoires d'affilée. Donc c'est l'idéal pour continuer, pour la confiance du groupe. Et voilà, on sent qu'il se passe quelque chose quand on joue à domicile avec des supporters toujours présents, donc c'est agréable. C'est un championnat que je découvre et je suis agréablement surpris. Il y a beaucoup d'intensité. Ce sont des équipes qui se valent. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est un championnat particulier parce qu'on est seulement 8. Donc ça va être tout nouveau pour moi. Et voilà, je suis agréablement surpris, oui. Une équipe de Virton reconstruite pour le foot pro. Avec plus de 20 nouveaux joueurs, Virton s'est rapidement adapté aux exigences de la compétition. Seule ombre au tableau, l'élimination en Coupe de Belgique face à Dessel, un échec qui a sans doute servi de déclic aux Virtonais. Se prendre une petite claque à Dessel, ça nous a fait du bien et on avait vraiment envie de rectifier le tir rapidement et je pense que c'est chose faite. Voilà, on a eu un petit temps d'adaptation pour commencer en championnat et voilà, on avait du bon contenu mais on n'avait pas l'efficacité et on est très content de pouvoir enchaîner 3 victoires par la suite. Alors Clément, Virton, c'est le porte-drapeau d'une région, c'est le seul club professionnel de la région, mais c'est une région aussi très fière de son terroir, de son histoire. On se trouve ici dans un lieu chargé d'histoire. Est-ce que tu sens justement que cette population, ces Gommais, ont cette fierté en eux ? Oui, c'est vrai qu'on le sent, rien que quand on va au stade, on sent qu'il y a une vraie fierté de cette région et c'est important pour nous aussi en tant que joueurs. On a envie de bien faire pour eux et aussi on a hâte de découvrir un peu cette région. C'est un club qui a une vraie identité. Oui, et on sent surtout que c'est important pour les supporters que nous, on adhère rapidement à cette identité-là. Et je pense qu'on commence à découvrir un peu la région, même hors football. Et c'est important de bien se sentir ici. Et on sent qu'on est très bien accueillis ici. Alors, il y a plusieurs événements marquants dans ta carrière. Évidemment, on t'en parlera toute ta vie de cette finale de Coupe de France avec les Herbiers face au Paris Saint-Germain. Quels souvenirs t'en gardes encore aujourd'hui ? Ouais, forcément, c'était des étoiles dans les yeux parce que jouer au Stade de France devant 80 000 personnes contre le grand PSG, ce qui se fait de mieux en France, c'était mémorable et tout le monde m'en parle encore 2 ans après. Donc c'est historique et voilà, je le garderai toute ma vie. Donc ça, c'est le grand moment de ma carrière, mais j'espère que ce n'est pas le dernier. Bien qu'il découvre la région, Clément Couturier évolue en terrain connu avec son entraîneur Dino Topmöller, avec qui il était déjà à Dudelange la saison dernière. Un paramètre sans doute déterminant dans son adaptation à la Proximus League. C'est un coach qui aime le beau jeu, donc je pense que ça se ressent petit à petit dans nos prestations. On aime avoir le ballon et c'est un coach qui est très proche des joueurs. C'est un ancien joueur qui est encore jeune et je pense que c'est très important quand on est joueur, quand on a le ballon, c'est toujours mieux. Le club de Virton reste un club très familial mais qui est doté aujourd'hui de dirigeants extrêmement ambitieux. En définitive, c'est quoi l'objectif du club ? On découvre pour la plupart des joueurs, on découvre ce championnat, donc on va être réaliste et on vise le maintien confortablement. On sait que c'est un championnat qui est très compliqué, alors oui, on a enchaîné 3 victoires d'affilée, mais on s'enflamme pas et on continue à bosser. C'est sûr qu'on sait que les dirigeants sont ambitieux, nous les joueurs, nous le sommes aussi, et on verra à la fin de la phase aller, mais je pense qu'on a les armes pour se maintenir confortablement et on verra par la suite si on peut faire quelque chose de plus.